La team mage noir dans le chat, bien sûr. toujours. Moi, pareil. Je vous le dis aujourd'hui, je suis un mage noir. Mage noir de niveau 30. Voilà, récemment, niveau 30. Jamais touché une femme. Voilà. Oh bon, j'ai un enfant, ça c'est sûr, mais ça n'a rien à voir. Tout simplement, je l'ai fait en wifi. J'ai jeté comme ça. Tiens, voilà, à distance. Et tu vois, après, bon, bah voilà, je sais pas, je suis très très fort. On m'avait dit que j'avais 10 à chaque œil. C'est du slime. On y va en Bluetooth. Eh bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Il est de retour avec une caméra qui a freeze, regardez. En gros, il a les enfants et les parents qui accompagnent dans le traîneau. Donc là, il n'y avait que ma femme avec la petite et une famille d'Américains qui avait un gamin qui était d'ailleurs insupportable. Hein, vraiment envie de lui claquer sa gueule tout le long à celui-là, mais on en parlera après. Ta mère t'a dit de venir manger, il me semble. Toi, tu ne me touches pas, ok? Non, je sais trop, je m'en vais. Ah, t'as des conseils pour gérer une meuf dans sa classe? J'ai pas vraiment de conseils. Hein. Je suis pas vraiment le boss de la drague, hein, si tu vois ce que je veux dire. Parce que si tu veux, en fait, moi j'avais jamais besoin de ça, quoi. En un regard, c'était terminé. J'avais fumé la meuf. Alors ça oui, cette photo c'est avant que vous arriviez, parce qu'on les attendait au village du Père Noël. Il faut savoir que là j'ai une capuche parce que comme un bouffon, moi j'avais oublié mon bonnet chez lui. Ah. Être chauve à Rovaniemi, non. Il vous faut un bonnet. Parce que cette extrémité là, mon pote, vous pouvez sucer un glaçon après, sinon on allait vite retrouver un bonnet. Ma fille pense que le mot fesse est un gros mot, mais que le mot cul c'est ok. Pourquoi? Parce que ma femme, une fois, lui a fait une blague en disant « tu puis du cul ». Et du coup, des fois, elle dit « tu puis du cul », elle pense que cul égale « ok », fesse égale « gros mot ». Alors du coup, quand je lui dis qu'elle est à la douche et tout, je dis « allez, retourne-toi, on va se nettoyer, on nettoie les fesses », elle fait « oh, t'as dit un gros mot ». Je suis en mode « bah, j'ai dit quoi ? Elle dit « t'as dit fesses ». Je suis en mode « bah non, c'est pas un gros mot ». Et elle me fait « tu puis du cul », et je suis en mode « bon, non ». Je porte plainte pour diffamation. Je voudrais que tu ailles voir Watson pour récolter les informations dont j'ai besoin et faire avancer mes recherches. Non mais je suis une salope ou quoi? Simple comme hello, n'est-ce pas? Hello. Maintenant, tu connais le Pokédex? Non. Tu ne voudrais pas un Pokémon? Non. Fin de l'aventure. Voudrais-tu un Pokédex? Non. Adèle, je savais que je pouvais compter sur toi. J'aurais dû maintenant. Qu'est-ce qui m'a pris, les gars? Ça, c'est... Oh là là, c'est 2022, je suis une autre personne. J'ai pas mis non, j'ai mis oui. Tu t'imagines, t'es la femme et tu sais rien. Et tu continues avec la wedding planner à préparer un mariage avec un mec qui te dort. Mais c'est horrible, la pauvre femme. Rendez-vous pour avancer sur les préparatifs. Là, moi, tu me fais ça? De quoi? Moi, tu me fais ça? Je te démonte. On est déjà mariés. Hein. Oui, non, mais... On avait une wedding planner, non? Ah oui, il y avait que moi qui l'a voyagé. Ouais, c'est vrai, ouais. C'était que... Il y avait que toi qui l'avais vu. Je t'ai... Non, c'est horrible, c'est horrible. Je suis outrée. Tu voulais qu'on se remarie? On va renouveler nos voeux. Je vais devoir trouver une wedding planners. Et en gros, comme je l'appelais, il est en mode, venez, on se tait. Et on va sûrement l'entendre vibrer, parce qu'il est sur vibreur. On va l'entendre vibrer. Mais, évidemment, devinez qui ouvre sa gueule en pure permanence. Le putain de gosse américain, frère. Il racontait sa vie tout le temps. Il était en mode hell. And I'm scared around, I got a frag. And I'm trying to walk around, it's an awful life, man. I'm scared around. Bah, c'est comme une énorme menteuse, hein. Vraiment, non, c'est pas moi. C'était pas mon sac. J'ai rien pris, je ne conduisais vive. Mais non, je mens, j'ai tout consommé, ceci est une descente de police. Veuillez retirer vos strings. Bien joué, Joe. Ensemble pour aller plus loin. Dark and night, black and white, je suis en quête dans l'arène. En PVP ou PVE, et j'évoque les démons, donc j'invoque tous les mots.
en PVP ou PVE. J'arrive dans un studio. Le mec, normalement, il fait les albums de Rof. Je vous jure que c'est pas une vanne. Et du coup, il y avait au mur disque d'or, disque machin et tout. Et moi, je suis en mode, wow, qu'est-ce que je fais là? Et le gars, jure. Jury, c'est limite, il vient d'enregistrer un pur banger avec un. Avec Rof qui sortait de. Il sort, hop, suivant. Jiraya, le rappeur. Toujours le smile, jamais hostile. Donc on a lancé le mobile. Mais comment il va la Gige, juste pour savoir, est-ce que tu sais s'il aura un nouveau maillot du FC Sydney? C'est une très très bonne clé. Bonjour, vous devez être Raphaël? Oui, vous êtes Emma, c'est ça? Gagné. Le salon est juste là. Sa main, c'est un taser ou quoi? Pourquoi ils ont mis autant d'éclairs? Bonjour, da, 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 da. C'est essayer de me mettre en forme, on va dire. Et puis qu'on parte, si Dieu le veut, on touche du bois aux États-Unis d'Amérique du Nord, on puisse marbrer la gueule de Dwayne Johnson, comme on l'avait dit sur la plage. Moi, je peux te dire qu'en développé couché, là, j'évolue de plus en plus, je me rapproche des 100 kilos, donc je peux te dire qu'il va prendre un coup de barre olympique dans la gueule. Voilà! Après, c'est Jumpé aussi. Voilà, il faut dire les termes. Je le regarde droit dans la caméra, il le sait, j'ai déjà dit droit dans les yeux ici. Jumpé, les amis, je n'ai jamais vu ça. C'est un mec qui perd ses affaires tout le temps. Il pose un truc, il sait pas où c'est qu'il habille. Il n'a aucun sens de l'orientation. C'est catastrophique. Ce mec est une catastrophe en termes de gestion de ses items, de ses objets. Il est cauchemar. Moi, je sais, j'ai la même à la maison, j'ai ma femme. Ma femme, c'est comme Jumpé en termes de gestion d'items. Toutes les deux secondes, elle me dit, t'as pas vu mon téléphone et tout. Ou j'ai envie de lui mettre un coup de coude dans la carotide et lui dire, tu l'as vu celui-là ou pas? C'est une phrase que je ne supporte pas entendre de, attendez, j'ai perdu machin. Je ne veux pas entendre ça. La con de ta mère. Moi, je sais très bien, mon téléphone, il est dans ma poche droite. Mon porte-monnaie est dans la poche gauche. De toute façon, quand je sors, si je n'ai pas un des deux, c'est comme si j'étais tout nu. Je le sens de suite. Donc tu vas pas me dire, hein, au bout d'un moment, que c'est pas possible de s'organiser un minimum et de toujours avoir son téléphone dans sa poche, d'accord? Merci. Oh, j'ai créé un TikTok en soum-soum, voilà, juste pour qu'on fasse les tests avec l'algorithme. J'ai créé le TikTok et j'ai donné tous mes logs à mon monteur pour qu'il s'en occupe. Okay. Et la dernière fois, j'ai dit, bah tiens, je vais aller voir un peu si ça a fait des vues, si ce qu'il a mis en ligne et tout. Et du coup, sur mon filtre, ça me propose, voilà, que des meufs. Donc Casu, si je puis me permettre, je t'en supplie. Arrête. Ne regarde plus des trucs comme ça. Regarde, c'est que des meufs qui font des dingues. Bah oui. Comment ça des dingues? Bah c'est que là, c'est un mec qui met des claques au cul d'une donc meuf. Donc je n'en peux plus. Ah mais c'était ton monteur qui gérait mon TikTok. Oui, mais quoi, bien sûr. Donc Casu est officiellement affiché aujourd'hui. Mais il y a possibilité qu'il regarde quelques petites dingues. Ou peut-être que c'est l'algorithme, je ne sais pas. Je porte plainte pour diffamation. C'était bien d'aller voir le Père Noël? Tu te souviens? On allait le voir où? Non, Laponie. Non, l'Italie, on allait voir le grand-père de Jumpé, c'était pas pareil. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas mon anniversaire, par contre. Je sais, merci, bon. Histoire de, c'était une histoire de faire un happening. Wow, un happening, exactement. Thank you, guys. But what is this in this bag? C'est son secret Santa, lui. C'est mon secret Santa. Ah, en effet, ça fait un peu de temps maintenant que le... Enfin, quelques temps que le Galaxy Z Fold Kiss Flex Plus, le Fold 3, est sorti. Et du coup, on me l'a envoyé aujourd'hui. Tu veux que je te l'ouvre? Ça m'a fait chier, ouais, pour rien dire, ouvre-le-moi. Il est ici, il est très très beau, regardez-le. Je l'ai pris en noir. J'avais du rose. Comparer les tailles. On peut comparer les tailles. Tiens, grosse pastel. Les appareils font les robes. On est plus sur les symétries parce qu'on a plus les plaques. Les grosses plaques de cuicui. Exactement, mon cher ami. Alors sur les carac, évidemment, il est plus puissant. On va avoir un écran 120 Hertz au milieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, regarde, si tu regardes bien à l'intérieur, est-ce que tu vois une caméra? Et non, on la voit pas, évidemment. Non, pourquoi? Elle est derrière l'écran, bien sûr. Elle est derrière l'écran. Qu'est-ce que t'es bon, Jumpé? T'es au courant de tout ici, ça me fait extrêmement plaisir. Il a pas foutu les pieds en cours. Attends, on peut le dire. Là, ça va faire bientôt 8 jours qu'il a pas foutu les pieds. Lycée Jules Verne. Montargis! Mais c'est des menteurs! 143 rue du Roi d'Espagne. Mais gros, 78 680 Montargis, tu te fous de ma gueule? Mais c'est même pas Montargis! C'est 45-200, Montargis! Vous savez qui lâche dans le chat, là, juste pour savoir rapidement? Parce que moi, je me souviens, quand j'étais gamin, j'étais en mode... Hey, quand j'aurai 18 ans! Bah, je me souviens très bien que quand j'ai eu 18 ans, il s'est rien passé! Mais littéralement, il n'y a pas eu un truc... Tu sais, tu crois que le jour de ton 18e anniversaire, il y a comme un halo lumineux qui va t'abreuver de tout le savoir du monde et que tu vas devenir une autre personne? Ça change rien, frère! Moi, j'avais 18 ans, je vivais toujours chez mes parents, j'aidais toujours à mettre la table, je débarrassais quand j'avais fini.
Aga, c'est pareil, hein. C'est magnifique ce que t'as fait vivre à ta fille, c'est génial. Mais le jour où tu dois lui expliquer, c'est dur. Qu'il n'existe lui... pas. Non, non, papa, il est le Père Noël est un Romagnoli. Non, mais elle regarde vraiment. C'est possible. Donc il est. Donc le jour où il va falloir lui expliquer the truth. Éteins la télé. Le jour où il va falloir lui expliquer the truth, elle va te regarder, elle va dire. Attends, tu m'as pris pour un jambon en fait. Elle aura oublié. Bah en vrai, oui, elle aura oublié. Et puis même en fait, ce qui est compliqué, c'est de savoir comment ça va se passer au niveau de la scolarité, parce que tu sais que chaque enfant, ouais, tu vois. Et moi, je sais que moi, pour mon expérience personnelle, je me souviens comment c'était à l'arrière de la Kangoo. Mes parents ont fait les courses, on est à Narbonne. Au fait, ça n'existe pas. Je suis peut-être, tu vois, un peu dans le genre en mode. L'éveil de l'enfant. Non, la pédagogie. Non, mais après, il me dit, bon, quand même, à 15 ans, c'est chiant. Après, les deux amis veulent acheter de la drogue pour la soirée. T'es sûr qu'il craint pas, ce mec? Ça va, je te dis que c'est un pote à mon frère, c'est bon. Je crois qu'il a de la MD. La quoi? De la MD, MDMA. Comment ça, de la MD? On n'est pas en pénurie de composants, là, je comprends plus rien, moi, cette histoire. Bah, vont consommer des processeurs. C'est n'importe quoi, du Radeon. Je comprends plus rien. Enfin, tout ça, Eric, c'est nul, je ferais bien m'envahir. Si je vous le disais pourtant que je vous aime, qui sait, ma belle Emma, ce que vous en diriez? Je vais péter un plomb. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Je vais péter un plomb. Une des pires transitions de ma vie en termes de story, où je filme ces rennes, je suis posé avec mes super strabs et le volet d'après c'est une photo de moi en train de manger du renne. Ça coûte du renne en balle. Et mais du coup c'est... la transition est cauchemar, quoi. C'est moi, t'as les gens, oh les rennes. Et juste après je suis sur un burger de renne. Là, oh les rennes, oh, oh les rennes. Thank you.